Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tuto Afro. Si c'est votre première fois d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater une de mes prochaines vidéos. Car je poste tous les mercredis à 18h30 et samedi à la même heure, heure de Paris. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment supprimer votre chaîne YouTube. Je sais que ça paraît anodin, mais il y a plusieurs personnes qui ont des chaînes YouTube, par exemple, qu'ils ont dû créer, mais qu'ils ne veulent plus utiliser ou qui veulent sortir directement des réseaux. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous montre donc comment supprimer une chaîne YouTube, soit qui a été créée avec votre adresse mail, alors que vous ne voulez pas créer une chaîne YouTube. Du coup, j'ai dû créer une chaîne spéciale pour vous montrer comment le faire. Une chaîne YouTube est généralement rattachée à une adresse email du compte Google, donc Gmail. J'ai créé YouTube Test. Du coup, comment faire donc pour supprimer une chaîne YouTube? Vous allez venir ici, donc sur le petit logo de votre chaîne YouTube, vous allez cliquer sur votre chaîne. Une fois là, vous allez recliquer encore sur le petit logo. Vous allez descendre ici au niveau de paramètres. Ici, vous allez cliquer là sur paramètres et du coup vous aurez ceci. Avant de supprimer votre chaîne, rassurez-vous d'avoir tout effacé vos contenus. Par exemple, vous voulez supprimer votre chaîne pour republier sur une autre chaîne. Il peut arriver, par exemple, nous qui avons plusieurs chaînes YouTube, qu'on a du contenu d'une chaîne, voilà, qu'on veut remettre sur une autre chaîne, mais avec le robot qui va détecter que cette vidéo appartient déjà à une autre chaîne, ou X raisons. Une fois que vous avez cliqué là, vous cliquez sur afficher les paramètres avancés ici. La suppression de votre chaîne n'entraîne pas la fermeture de votre compte Google. Voilà. Ici, donc, vous allez cliquer sur « Supprimer la chaîne ». Une fois que vous avez cliqué sur « Supprimer la chaîne », vous allez devoir vous identifier ici, donc ressaisir votre mot de passe ici. Une fois donc vous vous êtes connecté sur votre chaîne, ici, vous aurez donc la possibilité soit de masquer ou de supprimer votre contenu. Si vous souhaitez masquer le contenu, donc que le contenu reste quand même sur Google, sur YouTube, mais que les personnes ne peuvent pas le voir, vous cliquez ici, vous choisissez là et vous cliquez sur masquer. Et ici, nous, on souhaite supprimer, ou bien ici, vous souhaitez supprimer de façon définitive votre contenu. Ici, vous cliquez dans là, ici, vous cliquez là et vous cliquez sur supprimer le contenu. Ici, on va vous dire cette action supprimera définitivement vos contenus YouTube, y compris tous les abonnements et tout. Ici, pour confirmer la suppression, veuillez saisir votre adresse email. Vous cliquez là, vous mettez votre adresse email et vous cliquez sur supprimer le contenu. Votre contenu est en cours de suppression. Vos contenus seront supprimés définitivement. Ce processus ne devra pas prendre quelques minutes, mais peut durer jusqu'à 2 jours. Étant donné que cette chaîne, elle n'a pas de contenu, donc la YouTube sera rapidement supprimer. Une fois que vous avez donc fait cela, vous pouvez fermer votre onglet et du coup votre chaîne sera définitivement supprimée. Si vous revenez sur YouTube ici, une fois que vous avez fait cela, vous actualisez votre page. Quand vous cliquez là, vous voyez à ce niveau, on vous dit de créer une chaîne. Si vous cliquez là, ça sera pour recréer une autre chaîne. Ça veut dire que la chaîne que vous avez créé, vous avez supprimé, a été définitivement supprimé. Donc, c'est ici que se termine cette petite vidéo qui consistait à vous montrer comment supprimer de façon définitive ou de masquer une chaîne YouTube que vous avez créée. N'hésitez pas de partager cette astuce, n'hésitez pas de vous abonner, de regarder mes autres vidéos car j'aborde plusieurs thématiques qui peuvent vous être utiles. À la prochaine pour un nouveau tuto.